Je viens de me réveiller et je suis en pleine forme. Moi et mes Pokémon, on est toujours aussi contents d'avoir laminé Michel hier. Aujourd'hui on est chaud, on va prendre notre revanche sur Ondine. Je me rends directement à l'arène. Et je demande le combat. Alors on voit toujours les mêmes Pokémon. Très bien. Toujours Starry. Ah, je vais commencer avec Nidoran. C'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Ouais, non mais c'est parce que je suis pas bien réveillé. Désolé Nidoran, encore une fois. On va envoyer Pikachu. Voilà. Allez Pikachu, tu sais ce que t'as à faire. Bonne attaque éclair. Tu vas aller remettre les idées en place. Puis si t'en as un petit peu trop, profite-moi pour m'en envoyer une parce que là... Encore un petit peu la tête dans la brume là. Au final, Starry tombe très rapidement. Une seule attaque éclair. Je sais que contre Staros... Ça ne se fera pas pareil. Je décide d'y envoyer Air Bizarre. On va tenter une poudre de dos. Mais Air Bizarre n'a pas le temps de lancer son attaque. Que Staros envoie une attaque météore. Impossible à esquiver. Mais l'attaque poudre de dos réussit à endormir Staros. Dans un deuxième temps, je lui demande d'envoyer Vampigraine. Ça permettra d'affaiblir Staros et de requinquer Air Bizarre dans le même temps. Ensuite, il n'y a plus qu'à enchaîner les Folianes. Je pense que cette fois c'est la bonne. Allez, Air Bizarre! Attaque Foliane! Eh ben. Ça a été vraiment facile. Trop facile même. Notre entraînement face à Michel a payé. Je suis très content. Je félicite mes Pokémon. Et en plus, on a même droit à un deuxième badge. Le badge Cascade. Ainsi qu'une bonne poignée d'argent. Le badge de cascade permet de mieux me faire reconnaître par mes Pokémon. On ne sait jamais, c'est une bonne chose. Elle me donne aussi la CT3. Ça permettra à un Pokémon, si je le veux plus tard, d'apprendre la compétence Vibraquois. Je fais soigner mes Pokémon, et il est temps de se rendre... Excusez-moi, je me suis trompé de lieu. Il est temps de reprendre le chemin du pont. Premier dresseur. Celui-ci m'apprend qu'il y a 5 dresseurs sur le pont. Et que si je bats chacun des 5 dresseurs, j'aurai le droit à une récompense. C'est parti. Ce ne fut qu'une formalité. J'ai réussi à vaincre les 4 premiers dresseurs facilement. Et le dernier? Qu'est-ce que tu me veux? La Team Rocket? Non, merci. Non, mais vraiment, non, j'en veux pas, donne-moi la pépite, mais c'est tout. Mais... Je fous une rousse à la Team Rocket et je pars. Je rencontre une personne qui se dénule en tant que dresseur. Il décide de me donner son salamèche. J'accepte volontiers. Cela fera une recrue de plus dans l'équipe. Bienvenue Salamèche. Heureux de te compter parmi nous. Je reprends le chemin de la route 25. Rien de spécial, beaucoup de dresseurs, pas mal de montagnards. Et au bout de la route, une petite maison. Il n'y a pas grand chose dans cette maison. Il y a l'air d'avoir un petit Pokémon qui pleure, je crois, qui me regarde aussi un petit peu fixement, étrange. Il y a un ordinateur, quelques armoires électriques, quelques plans. On dirait... Oui, c'est ça. On dirait comme un laboratoire. Je suis pas sûr. Je vais essayer de voir le Pokémon. Hein ? Un Pokémon qui parle ? Non, en fait, non. Il dit que c'est un Pokémon, mais non, il dit qu'il en est pas un. Je crois que c'est un Pokémon en pleine crise existentielle. Attendez. Il dit s'appeler Léo, être un Pokémoniaque. C'est louche tout ça. Ça sent le traquenard. Tu demandes de l'aide? Non, merci. Je n'aide pas les gens bizarres, excusez-moi. Comment ça? Il faut quand même que je t'aide. Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il va dans... Il s'est enfermé dans cette machine, il me demande d'appuyer sur un bouton. Mais il est où ton bouton? Je sais pas, moi. Il est pas là. Non, il est pas dans le papier non plus. Il est peut-être sur l'ordinateur, je sais pas. Ah oui, on dirait bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai vu un truc passer de droite à gauche. Qu'est-ce que c'est? C'est... Mais qui...
Mickey est-il ? Ouh là là là, il se passe des trucs bizarres. J'ai peur. Qui tais-toi ? Yo. Donc c'est toi le Léo, c'est ça ? En fait, t'es vraiment Léo, hein ? Ok, c'est gentil, merci pour ton cadeau. Un passe-bateau, mais il n'y a pas de bateau ici, Azuria. Ah, quand même sur mer. Très bien. Bon, je te remercie. Hein ? Au revoir, hein ? Cette expérience m'a absolument déboussolé. C'était bizarre. Allez, reprenons la route.